tikana prophétiser na vie Mister Baninga bazo kufa ko kufa te eloko epomi tata na yo ko poma yote eloko epomi mama ko poma yote ya ye les choux et chèvres botinou va savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle et tu commences à spiritualiser ta vie, tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable, na commission invisible, na yoko kotsa yo na linie ya batu ba isapa makambo ya tenye wani kadaga prediga boda ba degedegedegedege obadaga dadadadadadada ba ya tobo koshegedegedege besozo prodia la baya besozo prodia la baya kedegedegedege hekala glory to God. Mazuza Bayata. Mayeke Liba Bosha. Maya Katabayata. Bayene Medegedo. Badega. 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 Donnons les illuminations. Ekatabayata. Ekatabayata Gaba. O Barakatayatobo. Sobodo bodo 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 bodo. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. In Jesus' name. Amen. Toujours, on prie toujours. Nous prions toujours. Écoute ce que la parole de Dieu a dit. Dans Ephésiens chapitre 1. Dans le premier chapitre du livre d'Ephésiens. À partir de verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Vous voyez, apôtre Paul, c'est un homme qui prie beaucoup. Apôtre Paul, Azosambe Lamingi. 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est très important, bien-aimé. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Toko sambela. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, donne-moi l'esprit de sagesse et de la révélation dans la connaissance. C'est-à-dire, maman yalikambwawa, c'est la révélation. Amen. Bien aimé, beaucoup ont des connaissances, mais pas de révélation. Beaucoup ont des connaissances logos de la parole, mais il manque de réma. Mingi qui est la révélation. Makomi a pamba et l'obananzambe, kasi bazali na pole été où est la révélation et l'obananzambe. Là où le rema, soit révélation, est absent, je te dis, l'amour règne là-bas, malgré les logos. Et si la révélation, to pole et l'obananzambe, ezate. Bien aimé, tu peux mettre ta Bible sur ton oreiller et tu dors au-dessus. Mais le diable va venir, les sorciers vont venir te tabasser, te opprimer si tu manques la révélation de cette parole que tu dors au-dessus. Okoyi kozwa Biblia otiango na mbeto na yo na se moto na yo tongo lalaka mais soki ozali na bofungolisa mité bo sosolité ya maloba oyo laleli ba demo ba koya ko tungisa yo na bouti. Ce n'est pas le logos qui a franchi, c'est le rema, les révélations, la révélation de la parole qui a franchi. Ezakaka liloba ya pamba te de kangolaka kasi boso soli ya liloba de kangolaka. Quand nous parlons de rema et révélation, nous parlons de logos, parole qui est révélée à chacun de nous. Et donc tozolo bela révélation to rema tozolo bela ne liloba ya nzambe oye komi ezu bomoi na moko na moko na biso. Cette parole est devenue vivant. Ezu penza bomoi est devenu esprit. Et comme il est mot, c'est ça vraiment. C'est ça la révélation. Voilà des révélations. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens meurent. Parce qu'ils manquent la révélation, les rémas
de la parole. Beaucoup de l'espère en religion ont des logos de parole, mais il manque le rhéma, la révélation. Maintenant, nous allons prier. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, donne-moi la révélation de la parole. Aujourd'hui, au nom de Jésus, prions. Égalé, 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 palabaya taba. Ango sokotobo kotobo. Égata gata gata gaba. Barane kele bobo 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 bobo. Shinde berege. Shinde kele mosondo. Shikalaba chanderia. Angele boko shilaba. Mangre de ke digaba. Agata ba yakata ba. Ekalaba shigele boko sondo borobo shiebede. Ora sata gaba ya. Ekalaba yata gaba. Ouvre mes yeux. Donne-moi la révélation, mon Dieu Saint. Saint-Esprit, donne-moi la révélation. Prions, prions, donne-moi la révélation. De ta parole. De ta parole. Ekatabaya. Ekatabaya. Barane, barane, barane. Erosondobokoshe. Maya, Maya, in Jesus' name. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas dans une boîte, so ne soyez pas étonné que les choses changent. Même si tu voyais aujourd'hui, je parle en français. Je suis désolé maintenant pour commencer à prêcher en français. De temps en temps, je peux soiffer en lingala, mais je reste toujours en français. Alléluia. Amen. Chapitre 119. Verset 18. Je lis au nom de Jésus. Ouvre mes yeux et je verrai les merveilles qui sont dans ta loi. Fongola ngai miso. Bona mona makambo ya kokamwa ya mibeko na yo. Ouvre mes yeux. Fungola miso na ngai. Et je verrai les merveilles qui sont dans ta loi. Bien-aimé, il y a des choses merveilleuses dans la parole de Dieu. Si tu trouves ça par la révélation. Ce qui écoute na ngona bo fungoli sami. Le samis a dit: Seigneur, ouvre mes yeux, pardon. Pour que je voie les choses merveilleuses qui sont cachées dans ta loi. Bien-aimé, la parole de Dieu est spirituelle. La parole de Dieu est esprit. Si tu n'as pas de révélation ou bien des yeux ouverts, tu vas commencer à lire comme ça, il n'y a rien qui va te pénétrer. Parce que la parole est esprit. Il faut approcher ça spirituellement. Voilà pourquoi on va prier. Aujourd'hui, Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Je voulais t'écouter et je voulais voir les choses merveilleuses qui sont cachées dans ta loi. Prions au nom de Jésus. Ayata baya tege. Mando koboko shikapata. Agata gabata gabaya. Menge dege 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 dege. Oprada gayata gabaya tege. Bonda yanama. Bonda yanama. Bonda yanama. Ayaneme yeneme yeneme. Aya, aya, aya,
baya, baya, mande kelia baya, maso soboto koshingele mende kele mende, mengele mende kele mende gende 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 bende bo, dan 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 In Jesus' name. Amen. Hosa Yahweh. Hosa Yahweh. Hosa Yahweh. Hosa Yahweh. Hallelujah. Hosa Yahweh. Alpha. Omega, Hosa Yahweh, Alpha, Be Omega. Oh, oui, Hosa Yahweh, Hosa Yahweh, Hosa Yahweh. Hosa Yahweh, Hosa Yahweh, Alpha, Be Omega, Hosa Yahweh, Hosa Yahweh, Alpha, Be Omega, Alleluia, Alleluia, Hosa Makasinangai, Hosa Makasi, Hosa Makasi Nangai, Hosa Yahweh, Hosa Yahweh, Alpha, Be Omega, Hosa Yahweh, Hosa Yahweh, Alpha, Be Omega, Hosa Makasi. Hosa Makasi Nangai, Hosa Yahweh. Hallelujah. Abosh. Hosa Makasi Nangai, Hosa Yahweh. Hosa Yahweh, Hosa Yahweh. Alpha, Be Omega. Hosa Yahweh, Hosa Yahweh, Alpha, Be Omega, Jésus, Hosa Esengonangai, Hosa Yahweh, thank you, Mamo Shabadabaya, Hosa Esengonangai, Hosa Yahweh, Hosa Yahweh, Hosa Yahweh, Alpha, Be Omega, Hosa Yahweh, Hosa Yahweh, Alpha, Be Omega, oh oui, Hosa Elo, Elonganangai, Hosa Yahweh. Elo kana biso, Hosa Elo Elonganangai, Hosa Yahweh, Hosa Yahweh, Hosa Yahweh, Yahweh 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 Yahweh, Omega, Hosa Yahweh, Hosa Yahweh, Yahweh Alpha, Be Omega. Messio, Alleluia, na San Jolio, Hosa Yahweh, Alleluia, na Comissio, Comissio, na San Jolio, Hosa Yahweh, Hosa.
Yahweh. Hosea Yahweh. Alpha Omega. Hosea Yahweh. Hosea Yahweh. Alpha Omega. Hallelujah. Hallelujah. Na yembelio. Na kumisiyo. Hosea Yahweh. Glory to God. Na yembelio. Na kumisiyo. Hosea Yahweh. Yemba Hosea Yahweh. Hosea Yahweh. Wo 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 wo. Omega. Hosea Yahweh. Hosea Yahweh. Alpha the Omega. Hallelujah. Hallelujah. Na yembelio. Na sanjolio. Hosea Yahweh. Glory to God. Na yembelio. Na sanjolio. Hosea Yahweh. Hosea Yahweh. Yemba 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 yemba. Hosea Yahweh. Hosea Yahweh. Alpha the Omega. Na netolio. Na tombolio. Hosea Yahweh. Na netolio. Na netolio. Na tombolio. Hosea Yahweh. Yemba Hosea Yahweh. Yahweh, Hosea Yahweh, Hosea Yahweh, Alpha the Omega. Na yembelio, na tombolio, Hosea Yahweh, Yahweh Nangai, Yahweh Nangai. Na yembelio, na tombolio, Hosea Yahweh. Hosea Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Hosea Yahweh. Hosea Yahweh. Alpha the Omega. Hosea Yahweh. Tokumba melio mokozi na biso masabala mayati egalo masalaba egalo masobra de gabado barate gabado bade eloka na biso masekalo baba ya tabu Eli kabalo baratado, megalo bayate kabado bayate kabado bayate. Hallelujah, my soul.
Hallelujah, my soto brodo shinda balaba. Egala baya doborobo shinda balaba. Orima bayeta bayato bayate bayato bayate bayate bayate. Na kumisiyo, na netoliyo, na sancholiyo masalado. Egalo bayata gabado. Egalo bayata bayato bayate bayato 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 bayate. To netoliyo, to sancholiyo. Toto polio, yes, Masia, Mokozia, Makozi, Masondoboro, Leroy, de Roy, Egaloma, Yata Gabado, Egaloma, Daba, Yata Bado, Egaloma, Dada, Dada, Bado, Bada, Dada, Bado, Bada, 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 Eli Baba Radaye, Badaye, 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 Hallelujah, 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 Maso Barato, Bayata, Bayate, Hallelujah, my shop. Hallelujah, my sopaya namayat. Merci Seigneur Jésus. Mantondo kolo Yesu. Kumisa ma libela. Sois loué à jamais. Sanjola ma libela na libela. Exalté, loué éternellement. Oza zambe. Tu es Dieu. Mususu lokola yo azali. Il n'y a point pareil à toi. Bazambe bele bakufi. Nombreux dieux sont morts. Balamu kate. Ils ne sont jamais revenus à la vie. Seul toi est mort et ressuscité. Et tu vivras jamais. Nous t'adorons. Merci pour ta présence dans ces lieux. Merci pour ta présence dans la maison là où chacun me suivre dans cette conférence. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire revienne à toi, Seigneur. Merci, Papa. Nous sommes ici. Devant toi. Nimoso na yo. Visite-nous. Visitez Bisso. Comme tu le fais ici dans le studio, fais-le dans leur maison. Studio awa sala lo lenge moko na banda ko na bango. Tikete présence na yo tozo yoka awa na dans le studio et remplit chaque maison. Laisse que ta présence qui se fait sentir dans ce studio remplisse chaque maison. Merci Jésus. Matondo Yesu. Kayo bongi masa anjo oli to ye lelo to kupa melayo to ye lelo kosa jolayo kayo bongi Masajo Oli Kakayo Kolo Kakayo Kakayo Mokozi Yesu Kakayo Mosajo Kakayo Poki Masajo Ole Toye Lelo Koko Pabela Yo
Sajolayo Kayo Boki Masajo Holy Kayo Kolo Akayo Kayo Mosantu Kayo Bogi Kayo Bogi Masa Ajo Holy Toye Lelo Koko Babela Yo Toye Lelo Bosa Jola Yo Dernière fois dans les joyeux, mais le mon abiso. Kakayo, Mosadu, Kakayo, Jésus. Kakayo, Pogi, Kakayo, Kakayo, Pogi, Massa, Sancho, Oli, Toyelelo, Nayelelo. Naye lelo koko pamela yo naye lelo naye lelo kosanjo la yo kakayo kakayo mogi masajo ole kakayo kakayo Kakayo, kakayo, boki, masajo, ole, kakayo, kakayo, kolo, kakayo, kakayo, boki, masajo, ole, kakayo. Merci pour
toutes choses. Merci pour toutes choses. Merci. Merci pour ta vie. Merci. Ton merci. Amour, ta bienveillance. Merci pour ta fidélité, ta miséricorde, ta grandeur d'âme, yes. ton merci. Grand cœur, tes bénédictions, merci, ta présence Seigneur. Au milieu de nous. J'ai pas d'abord. Tous les jours, tu fais échouer les plans des méchants. Tu nous bénis, tu nous élèves. Corebo Sheda. À toi la gloire, à toi l'honneur, yes. toi seul. Toi qui nous pardonnes nos péchés tous les jours. Toi qui nous supportes. Nous t'adorons en ce moment. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Ebo Sheda là-bas, le Dieu saint, le Dieu parfait. Alléluia. Merci. Merci pour ta présence. Ici au studio. Awana studio. Et je sais que ta présence est là aussi chez chacun d'eux qui me suivent dans leur maison. Parce que tu es Dieu omniprésent. Tu es là avec eux. Bénis chacun, bénis leur maison. Et bénis ta parole, séjour ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci un million de fois. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé, Molingami, ici au studio. Awana studio. La gloire de Dieu est tombée dans ce lieu au studio. Et nous sommes tous affectés. Et je sais, pareil aussi avec vous. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons encore continuer dans notre thème. Héritage de notre racine. Le loto rokoba kaka na mama likambo na biso oezali libula ya mosisato ya esika biso touta. À tous ceux qui sont nés de nouveau. Naba oyo nyonso babotami ya sika. À tous
tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth en tant que leur Seigneur et Sauveur. J'aimerais te dire ceci. Que vous avez un héritage avec Dieu. Et en tant qu'héritier de Dieu, il faut savoir, il faut comprendre la révélation de votre héritage à notre racine. Et notre racine, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi tu dois comprendre cela? Tout ce que le branche, les sarments, l'étape porte et manifeste comme fruit, ça vient de la racine. Et je bénis Dieu que notre racine, il est Dieu, il est souverain, il est puissant, il est justice et il est juste, il est la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, la justice de Dieu. Tout ce qu'il est, nous le sommes aussi. On va commencer Apocalypse encore aujourd'hui, chapitre 5 verset 5, please, s'il te plaît, lis pour moi. Après on va encore Romains 11:16. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 5, à partir du 5e verset. Lis pour moi, merci. Version Darby. Oui. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Dès que le livre, c'est-à-dire la parole de Dieu, est ouverte, c'est fini avec n'importe quelle situation, parce que dans la parole se trouve la solution. Il a dit ne pleure pas. Ne pleure pas. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David. Il est notre racine. Amen. A vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Alléluia. Praise the name of Jesus. Alléluia. So, qui est notre racine? Ici, Apocalypse 5:5, il nous a montré que Jésus, qui est le lion de la tribu de Juda, la racine de David. Il parle de Jésus-Christ ici. C'est lui notre racine. Gloire à Dieu. Et nous allons vivre dans Romains 11:16. C'est là où on a commencé hier. C'est-à-dire notre culte passé. Alléluia. Amen. Romains 11. Verset 16. Yeah. Version Darby. Oui. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alléluia. Amen. Version Louis II. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et notre racine, c'est qui? Jésus. Et nous, les branches, lui, notre racine. Bien-aimé, toute branche qui est connectée à la racine porte, manifeste tout ce que la racine possède. Et si ta racine est sainte, tu l'es aussi. Notre racine est sainte. Nous laissons aussi. Notre racine est puissante. Nous laissons aussi. Il est la puissance de Dieu. Nous avons la puissance de Dieu. Parce que les branches n'est que manifestent,
porter et manifester ce que les racines a en lui-même. Les branches sont les manifesteurs de ce que tout ce que la racine possède en lui-même. Et nous sommes les branches. Jésus est notre racine. Connaître les noms des arbres par les fruits que les branches manifestent. Lis pour moi une autre version, Romains 11, 16. Lingala, mon nouveau, lisusu. Ce qui ndambo oyo etalelami lokola mbuma ya liboso ezali mosantu potopoto mobimba ya farine pe ezali bongo. Alléluia. Pe soki mosisa ezali mosantu bitapi pe ezali bongo. Alléluia. Soki misisa ezali mosantu bitapi pe ezali bongo. C'est pour dire, si notre racine est sainte, les branches aussi, et je bénis Dieu, notre racine qui est Jésus, il est saint, nous laissons. Il est fort, nous laissons. Il est intouchable, nous laissons aussi. Voilà pourquoi on doit connaître par la révélation notre héritage à notre racine qui est Jésus. Les étapes, les branches reflètent seulement ce que le racine porte. Voilà pourquoi si votre racine ne peut pas être atteint de cette pandémie, j'aimerais te dire aujourd'hui, toi aussi longtemps tu maintenir votre connexion à ta racine. C'est ce que je vais parler aujourd'hui dans cette culte. Et lelo na kolinga koloba na yo ete soki mon sisa na yo akoki kozwa bokono oyo ezokanga mokili mobimba oyo te yeba te yo pe soki ozoumela kaka kokangama na ye bokono wana ekoki kozwa yo ata mokolo moko te. Oui. Parce que la parole de Dieu dit dans 1 Jean 4, 17 que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il faut lire ça. Il faut lire ça tout le temps. Il faut méditer sur ça. Tel il est présent. Tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans ce monde. Lui, il est là. Tel il est, tel nous sommes. Si il ne peut pas être atteint de cette pandémie, toi aussi, moi aussi. Et yango wana na buku ya Yohani ya liboso akomeli biso ete bomo ina biso na mokili awa ekokani na oyo ya Yesu ndenge ye azali esika azali na mokili oyo biso pe tozaka kabongo. Alléluia. Amen. C'est pas une folie, c'est la parole de Dieu. Ezakozala liboma te ezandeli lobana. C'est pas moi qui a dit ça, c'est lui qui a dit ça. Ngai tenela biango yende alobi. Tel il est présent. Ndenge azali lelo. Tel nous sommes dans ce monde de pandémie. Ndenge biso tozali na mokili. Il n'est pas atteint. Moi aussi. Toi aussi. Il faut qu'on croie à la parole de Dieu à 100% sans mélanger ça. Est-ce que ton dimele le balance mais na mobimba ko sangisa yango na mungu à mon côté. Même lui-même a dit que la sagesse de Dieu c'est la folie. C'est une folie pour le monde. Alors bibwania na nzambe pona mokili zomona na lokola makambo ya liboma. Voilà, c'est pas une folie, c'est la parole de Dieu. Et ça makambo ya liboma te lilo. Tel il est. Jésus. Yesu. Ma racine. Tel je suis. Ngai pe azali. Ici dans cette mort. Bongo na mokili oyo. De pandémie. Ya bokono. Il est intouchable. Akosimba mate. Je suis intouchable. Ngai pe lokola. Il est en bonne santé. Azanzo to kolongo no. Je suis aussi en bonne santé. Ngai pe nazanzo to malam. J'ai fait les check-up tout le temps. Na kenda ka kotala binganga.
des années maintenant, même typhoïde, même malaria, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai fait le check-up tout le temps. Chaque année, je peux faire check-up même trois fois. Parce que la santé n'a pas de prix. Je me porte très bien comme tu le voyais et tu l'écoutais. Je me porte très bien, en bonne forme. Parce qu'il a dit qui te soit fait selon tu as cru. Crois en quoi? Sa parole. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Il a dit tel il est maintenant présent. Parce qu'il est vivant. Tel nous sommes dans ce monde ici, nous. Nous qui croyons en lui. Et si tu crois en lui, il ne peut pas être atteint. Toi aussi. Je ne dis pas que tu ne respectes pas les âges. Je respecte. On dit cache-nez obligatoire. J'ai commencé à porter. Voilà, pas de problème. Je dois faire tout. Mais nous savons qu'il y a des gens qui font ça, mais ils sont atteints. Ils sont morts. Mais moi je te dis, à part de tout cela, il faut croire en Dieu. Il faut croire en sa parole. Parce que sa parole dit, tel il est ma racine. Tel je suis d'ailleurs Samuel. Et tel tu es aussi. Il est en bonne santé, je suis en bonne santé. Il est saint, je suis saint. Ma sainteté, ce n'est pas à cause de mes œuvres. C'est parce que lui est laissé automatiquement, je suis saint. Il n'y a plus de condamnation à tous ceux qui sont en Christ Jésus. Et tout le monde est pour nous, nous sommes en Jésus Christ. Amen. Yes. Lis-moi, s'il vous plaît. Version semeur, yeah. Romains 11, 16. En effet, si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, toute la pâte l'est aussi. Si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Si la racine est consacrée, les branches aussi, automatique. Les intouchables. Les branches aussi. Bita pipe loko là. Les saints, les branches aussi. Alléluia. Amen. La révélation de ton héritage. Oye, a bien, li boula na yo. La racine. Kouta na mosisa. Version parole vivante. Merci. Verset 16. En effet, si les prémices du pain offert à Dieu sont saintes, toute la pâte le devient. Si la racine est dédiée à Dieu, les branches aussi lui appartiennent. Les branches aussi lui appartiennent. Les branches aussi lui appartiennent. Bien-aimé, Jésus a dit dans Jean chapitre 20, verset 21, tout ça on a lu, ça y est, il a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi, c'est-à-dire, nous avons à 100% sa capacité. Quand lui était, quand il était dans le monde ici, toute sa capacité, nous avons tout cela en nous. Parce qu'il a dit, comme on m'a envoyé, je vous envoie aussi dans le monde. Namokolo ya culte na biso eleki totanga ki na mukanda ya Jean to mona ki ete Yesu alobi nenge tata atinda kingai ngai pe na tindi bino eleki sibwe nambu ya moko wana kaka na makoki nyoso wana kaka Yesu atindi biso pe lokola kaka bongo. Jean chapitre 15 verset 1 à 5. Aujourd'hui je commence ici. Jean 15 verset 1 à 5. Tout cela c'est seulement introduction pour un rappel à tous, peut-être qui n'étaient pas là, dernier culte, mais aujourd'hui tu nous suives. Il faut savoir votre héritage à la racine. Jean 15, verset 1 à 5. 5. Voilà. Verset 1er, version d'Arby. Moi, je suis le vrai cep. Voilà. Et mon père est le cultivateur. Voilà. Lingala, mon nouveau. Ngai nazali nzete ya vigno ya solo solo. Betata na ngai azali mosali bilanga. Allez. Verset 2. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits
il l'ôte et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Étape nyonso oyo ezali nangai oyo botaka mbuma te alongolaka yango pe nyonso oyo botaka mbuma apetolaka yango po ebota mbuma mingi lisusu. Alléluia. Verset 3. Vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai dite. Voilà. Bino bosili ko petolama pona liloba oyo na loba ki na bino. 4. Demeurez en moi, voilà, et moi en vous. Uh-huh. Comme le serment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Botikala na bomoko elongo na ngai, bengai na bomoko elongo na bino. Lokola étape ekoki kobota mbuma yango moko te kozanga kokangama na nzete ya vino. Bino pendenge moko, boko kiko bota mbumate, soki botikali na bomoko elongo na ngaite. 5. Moi je suis le cep, vous le sarment. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Ngai nazali nzete ya vino, bino bozali bitape, moto oyo atikali na bomoko elongo na ngai. Bengai na bomoko elongo na ye, moto wana akobota mbuma mingi. Poso ki botiki ngai, voilà, boko ki kosala eloko moko te. Vous voyez ici le mystère de l'union, notre unité avec Jésus. Vous voyez? Bomoni Yesu, bomoko na biso na Yesu. Dans Jean 15 verset 1 à 5. Na Jean 15 1 à 5. Vous voyez que nous sommes les serments. Tozali bitapi, soit les étapes. Ou bien les branches. Jésus dit ici que tout serment ou branche qui ne porte pas de fruits sera déraciné. Alléluia. Amen. Parce que normalement, les branches bitapi qui est connectée à la racine doit obligatoire porter des fruits. Quel fruit? Mbuma ya nini? Ok, je vais te poser une question. No, est-ce que tu as jamais vu? Yona no monate. Un arbre. Zete. Par exemple, des oranges. Un arbre d'orange. Ndaki se alilala. Qui est en train de manifester ou même porter les fruits des mangues. Oui, Zalina manga. C'est impossible. Et ça les mangate. Si les racines. Ce qui m'ont si ça. Et mangue. Et ça m'ont si ça et manga. Les branches. Bitapi. Vont porter le fruit des mangues. Et que vous tenez mbouma ya manga. Dans ce contexte, beaucoup de prédications prêchent, oui, c'est vrai, que ça montre la prospérité, il faut prospérer, il faut porter beaucoup de fruits, mais ce n'est pas seulement ça. Jésus dit ici que toute branche, serment, qui ne porte pas de fruits sera déracinée. Les fruits dont il parle ici, ce n'est pas seulement un fruit, ou bien un fruit de la, dans le sens de la prospérité, non. Mais dans tout aspect, si ton racine est en bonne santé, toi les branches, tu dois porter le fruit de bonne santé. Bien aimé, il faut avoir la révélation de la parole. Et c'est pour cela qu'il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si la racine n'est pas malade, ce qui m'a dit, ça n'a pas connoté. Les fruits. Bouma. Peut pas être malade aussi. A kokite kobela. Quand ta racine est saine. Le lengue te mosisa na eza mosat. Tu es saint. Et tu devais porter les fruits de la sainteté. C'est tout à fait normal. Et ça normal. Comment mon fruit est saint?
ou bien mon fruit est en bonne santé et moi je porte le fruit de la maladie. C'est pas normal. C'est-à-dire, il y a une disconnexion. Il n'y a plus de connexion quelque part. Aussi longtemps que la connexion est là, chaque étape, toutes les branches vont manifester ce que la racine porte en lui-même. Et au coquille, comme on a été, nous étions tous aussi ça. Et nous étions tous les gens qui ont été bambouma. Et nous étions tous les gens. Et nous étions tous les gens. Et si nous étions tous les gens, nous étions tous les gens. Connexion et alité. Alléluia. Amen. C'est pour cela, à la fin, je dois parler parce que c'est ça qui est très important. Parce que si tu regardes la parole de Dieu, Jésus a dit ici, je suis le cep. Vous êtes le sarment, verset 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une connexion. Permanente. Il faut qu'il y ait une connexion permanente. Cordon ombilical spirituel. Tout ce que la maman mange, boit, l'enfant dans la matrice aussi, boit et mange aussi. Tout à la connexion, un cordon ombilical. Nyonso oyo mama azoli a pe komela mwana na kati ya matrice na ye pe azoli yango azomela yango na nzela ya motolu. Si ta racine peut pas être atteinte de coronavirus, toi aussi tu peux pas être atteint. Ce qui mosisa na yo akoki kozwa coronavirus te yo pe okoki te kozwa yango. Ta racine qui est Jésus mosisa na yo za Yesu peut pas être atteint de n'importe quelle épidémie. Et même toi aussi, moi aussi. Le moko yonangaipe. Parce que poète, 1 Jean 4:17 m'a dit. Na 1 Jean 4:17 à l'obi. Tel il est présent. Tel je suis. Enfin, lis pour moi ça. Tel je suis dans ce monde. Tel vous êtes dans ce monde. 1 Jean 4:17. On doit lire ça. Notre vie ici pas dans ce monde est semblable à lui. Bon, il a mis ça dans mon 1 Jean chapitre 4 verset 17 version Darby. Oui. En ceci est consommé l'amour avec nous. Oh machallah, regarde nous... la consommation de son amour. Amen. Alléluia. En ceci est consommé l'amour avec nous, oui. Afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement. Oui. C'est que comme il est, lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. Voilà. Est-ce que c'est moi qui ai créé? Mais non, si je comprends bien français, malgré que mon français est un peu, vous savez quand même, mais est-ce que, selon cette verset biblique, comme il est lui, il est, dis-moi s'il vous plaît, si je suis correct ou pas, comme il est lui, tel nous sommes, il est là, est-ce que c'est passé ou présent ou futur? Et les cas, tu es à l'élo, tu es à l'écoya. Répondez-moi, s'il vous plaît. Comme il est lui, tel nous sommes dans ce monde. Moi et toi, nous sommes dans le monde. Lui, il est là. Yazawana. Tel il est présent. Yazali, l'élo. En réalité, est-ce que Jésus est malade? Est-ce que Jésus peut être atteint? Est-ce que vous êtes non? Moi non plus. Vous aussi non plus. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Amen. Mon peuple est sans détruire. Faute la connaissance. Parce que vous avez rejeté la connaissance. Il a dit, moi aussi je te rejecte. Amen. Dieu ne peut pas t'aider aussi longtemps que tu n'as pas de connaissance. Tu t'intéressais pas dans la connaissance. Daniel a dit quoi? Daniel a l'obéi. Si je ne me trompe pas, Daniel 11, 32, il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts et faisaient des espoirs. Dans mon canal, Daniel 11, 32, il dit, ba oyo ba koyeba nzambe na bango,
Bien aimé, c'est le temps et c'est le moment. Et ce moment est arrivé maintenant que chaque enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu, doit marcher dans la révélation de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas le logos qui va t'affranchir, c'est le rhéma, révélation de la parole de Dieu qui va t'affranchir. Amen. À ce stade que nous sommes dans cette pandémie, il y a que la révélation personnelle qui va te délivrer. Dieu peut pas mentir. Zamba koki koko satan mokolo mokote. Je lire Natangi la biographie d'un homme de Dieu. Oui, t'as dit bon mot ya moto. Un missionnaire. Moto na Nzambe. Que Dieu a envoyé en Afrique du Sud. Oh, Nzamba tinda ki namboka Afrique du Sud. À son époque aussi. Natango na yepe. Il y avait aussi cette pandémie, pareil. Bokono moko ya lolenge boyezalaka. Tout le monde meurt. Même les agents de Croix-Rouge ne savaient pas quoi faire parce qu'eux aussi meurent. Il est sorti dehors avec ses disciples. Ils sont commencé à enlever les cadavres dans la rue. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as fait? Il leur répondit que moi, j'ai un autre esprit. Je suis un esprit. Et je ne peux pas être touché par ce virus. Mets ce virus sur mes mains. Sur ma main. Et vous allez voir que ça va mourir. Et ils ont fait cet expériment. Ils ont mis le virus dans sa main. Et dans leurs yeux, avec leur microscope, les virus meurent. Bien-aimé, c'est la puissance. Vous voyez, ce témoignage m'a affecté, intoxiqué, provoqué. Ça m'a rendu folle. J'ai dit non, si c'est comme ça, Jésus n'est pas son Dieu seulement, il est mon Dieu aussi. Et il ne change pas. Et tant on a tangi makambwana et beli singai liboma et langui singai, na sosolete Yesu, azaka nzambe na yete, azape nzambe na ngai. Bien aimé. Bolingami. Il est derrière sa parole. Ye, azalaka kana sima liloba na ye. Pour accomplir. To ete yako kisa yango. Tel il est. Ndenge moto wana zali. Nous sommes. Bon. Tu peux lire pour moi une intervention. Version parole vivante, voilà, verset 17. Merci. Dans cette union avec lui, l'amour atteint en nous son plein épanouissement, de sorte que nous pouvons envisager avec une confiante assurance la venue du jour du jugement. En effet, nous vivons dans ce monde comme le Christ y a vécu lui-même. Alléluia. Amen. Nous vivons dans ce monde comme le Christ a vécu. Le lingé y a vécu dans ce monde. Yes. Nous aussi. Lingé y a bikaki na mokilio biso pe lokola to so bikabongo. Voilà. Référence. Notre référence, notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. OK. Ce qui est vrai pour le Christ est vrai pour nous dans ce monde. Ce qui est vrai pour le Christ est vrai pour nous dans ce monde. Car nous nous rendons compte que notre vie dans ce monde n'est rien d'autre que sa vie vécue en nous. Oh, mashallah, bayataka, bata, yapata. Je crois que cette verset biblique a tout expliqué, a tout dit. Bien-aimé, Molingami, reconnaître. Yeba. Votre connexion, connexion na yo, à Jésus, na Yesu, qui est notre racine. Dieu nous a donné une très vaste, grande héritage. Tel il est, tel nous sommes. Il est intouchable, nous sommes intouchables. Il ne peut pas être atteint, nous aussi. Lise pour moi, monsieur. Version monde nouveau. Voici comment l'amour a été rendu parfait chez nous. Oui, 1 Jean 4, 17. 4, 17.
Voici comment l'amour a été rendu parfait chez nous. Merci. Pour que nous ayons de la franchise au jour du jugement. Parce que tel est celui-là, tel nous sommes nous aussi dans ce monde. Tel est celui-là, regarde-moi, tel est celui-là. Celui-là. Celui-là, c'est qui? Jésus. Tel est celui-là, tel nous sommes aussi dans ce monde. Acclamons Jésus, s'il te plaît. Betela Yesu Masia Maboko Makasi. Alléluia. Amen. Tel est celui-là, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est fini. Celui-là ne peut pas être atteint. Akosi mamate. Celui-là n'est pas maladif. Azana bokonote. Celui-là n'est pas opprimé. Azonio komate. Tel il est. Tel nous sommes aussi. So, mon bien-aimé, il faut refuser toute chose que tu vois que ça ne peut pas arriver à Jésus. Il faut dire non à cela. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rafraîchira. Même la Bible nous a conseillé, il dit, résiste le diable et il fluit. C'est-à-dire, il y a des choses que le diable va essayer à te mettre comme un fardeau. Il faut dire non, pas pour moi. Yes. Tu les résistes. Amen. Version Amen. Lingala Monde Nouveau. Bolingo et komi ya kokoka et pay na biso. Nandenge oyo. Et te biso tolo ba polele pe na bosembo na mokolo ya lisambisi. Oui. Po ndenge moto wana azali. Biso pe tozali po. Yo 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 yo. Ndenge moto wana azali. Biso pe tozali bongo na mokili oyo. Na lola tendeko. Oza wapi? Na mokili oyo. Ndenge mutu wana azali. Teke celui-là est. Biso pe tozali. Nous aussi na mokili oyo. Dans ce monde. Na tunio. Mutu wana. Celui-là. Aza maladif. Est-il maladif? Mutu wana. Aza opprimé. Est-il opprimé? Mutu wana. Celui-là. Amonaka kosma na se apongi. J'ai dit kosma. Yo nani oyako ndokineni ya koyata unazolala. Quel kosma? Quel sorcier, quel démon viendra te tuer? Dengue mutu wana azali. Dengue celui. Dengue biso pe tozali na mokilio. Biso si dans ce monde. Mutu wana akoki kopela maladie ya corona. Il ne peut pas être atteint de corona. Biso pe tokopela ngote. Biso si non plus. Dengue il faut dasuka. Tu dois t'enflammer, bien-aimé. Droit na yo. Reconnaître quels sont tes droits. Tanga lisus papa. Verset 17, 1 Jean 4. Oui. Linga la monde nouveau. Bolingo komi ya kokoka e pa ina biso na ndenge oyo et te biso tolo ba polele pe na bosembo na mokolo ya lisambisi. Lelo il faut lo ba polele yango tozo ba polele. On di mango ni mango de Italie mais biso tozo loba. OK? Bo ndenge moto wana azali biso pe tozali bongo na mokili oyo. Et l'obéissance. Cela dit tout. Comme cet homme est. Ndenge moto wana azali. Nous aussi. Bisope. Dans ce monde. Na mokili oyo toza kaka bongo. Jean 4, 16. Tout c'est bien dit là-bas. Nyonso lobami polele wana. Ok. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23 et 24. Notre racine c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est la bisonne nani. Jésus-Christ de Nazareth. Si ta racine est puissant, toi aussi, automatiquement. C'est pour cela il y a des choses que je dis parfois, les gens peuvent m'interpréter ça, mais je parle par la révélation. Je n'ai pas besoin pour aller gêner, pour avoir l'onction, pour aller gêner, pour manifester la puissance de Dieu. Parce que je sais qu'en moi réside la puissance de Dieu. Ezana makambo suna lobaka bato ba okende ko limbola ngo ya ndenga mabe pwete ezana bakambo ong na yebi ndakisa bato mingi bazokila kokende ngomba mpona kozonguya ya nzambe me ngai na yebi ete nakoki kokila te mpona zonguya na nzambe. Je connais que je reconnais que je suis son branche. Un de son branche. Kaka ete naza moko ya bitapi na ye. Et je reconnais que me na yebi esusu ete il est ma racine. Yende mosisa nangai. Bien aimé. Molingami. On vient de lire tout à l'heure. Si la racine est sainte. Ce qui mosisa za mon sang. Le branche aussi. Et ta pipe za mon sang. Mais non. Si ma racine est puissante. Ce qui mosisa nanga ton nguya. Moi aussi je suis puissant. Na ipe na ton nguya. Pourquoi je dois aller commencer à
entrer dans la brousse, montagne, gêner, faire tout. Je n'ai pas dit que la gêne est mauvaise. Il a la place de la gêne. Surtout pour la santé aussi, c'est bien. Mais c'est la révélation qui va te commander l'écoulement de la puissance de Dieu. Malgré la gêne de Jésus, sa gêne n'est pas fait fuir le diable. Le diable est venu le tenter. Mais c'est la révélation de la connaissance qui a fait fuir le diable. Atako Yesu akila kimbula tukuminei ekimisaki Satana te car atant kara silisi kokila Satana ye komekaye. Si ma racine est puissant, soyez mon si Satana tonguya ngai pe. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 1 verset 23 et 24. Verset 23 version Darby. Oui. Mais nous prêchons Christ crucifié, aux Juifs occasion de chute, aux nations folie. 24. Mais à ceux qui sont appelés, et juif, et grec, Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Christ est qui? La puissance de Dieu et la sagesse. Si ma racine est puissante, je suis puissant. Amen. Si ma racine est sage, je suis sage aussi. Il porte en lui la sagesse, je manifeste la sagesse. Il porte en lui la puissance, je manifeste sa puissance aussi. Amen. Parce que les branches font que manifester. Porter ce que les racines portent en lui-même. Alléluia. Amen. Version parole vivante. Merci. Nous faisons les héros d'un Messie mis en croix. Les Juifs crient au scandale. Pour les Grecs, c'est un non-sens ridicule. 24. Mais pour tous ceux qui ont perçu son appel, juif que grec, c'est Christ que nous prêchons, se manifeste comme la puissance même de Dieu, aussi bien que sa sagesse. Il manifeste comme la puissance de Dieu et sa sagesse. Amen. C'est pour dire, en tant que branche, tu dois manifester sa puissance et sagesse. Si les racines et du manga, le branche aussi doit porter les mangues. Doit manifester aussi de mangues. Librement. Version Monde Nouveau. 1 Corinthiens 1er 23-24. Oui. Mais nous prêchons Christ attaché sur un poteau. Pour les Juifs, occasion de trébucher. Ouais. Mais pour les nations sottises. 24. Cependant, pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Alléluia. Et il est ta racine, il est ma racine. Azali mon sisana yo mon sisana ngai. C'est pour dire, moi, attend que son branche étape. Le col étape na ye. Je dois manifester ce que lui porte. Le Seigneur Nathalie sa o yazana ngo. Automatiquement. Amen. Version lingala ya. Aujourd'hui, c'est nous qui est dans le monde. Comme la racine d'un arbre est cachée sous le sol. On ne voit pas les racines. On voit que les arbres qui manifestent les fruits. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde pour manifester Jésus-Christ de Nazareth par nos fruits, de la sagesse, de la puissance, de la sainteté, etc. De la bonne santé, des révélations, des idées divines, des initiatives divines. Mando supra de galabasha. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 30. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30, version Darby. Or, vous êtes de lui dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice et sainteté et rédemption. Ici, version, lui, ce qu'on dit ceci. Or,
C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. So, Jésus est pour nous qui croit sagesse, justice, sanctification et rédemption. Bon abisso ba otondimi Yesu azalinde bwania boyenge bene bo santisami. Si ta racine est la sagesse et la justice, toi aussi. Ce qui m'a dit ça na yo nde bwania pe boyenge bene yo pe. Si ta racine qui est Jésus est la sagesse et la justice de Dieu, tu es aussi. Nous laissons aussi nous tous qui croient en lui. Ce qui m'osissa na yo ezali bwania pe boyenge ben nzambe bisonyo soto ndimelie tozali se bongo. OK. Version Lingala verset 23 24 et verset 30. Kasi biso tozali ko sakola sango ya Christo oyo babomaki na kuruze. Bayuda balobaka te yango ezali likambo ya soni. Pe ba Grec babom bamonaka yango lokola makambo ya bazoba. 24. Nzoka nde pona bato oyo Nzambe abengi. Ezala bayuda to bato ya bikolo mosusu, Kristo azali penza nguya ya Nzambe pe mayele ya Nzambe. Verset 30. Ye moto asali te bino bokoma na lisangana Kristo Yesu. Kristo ayeli biso mayele euti na Nzambe. Akomisi biso bosembo pe bosantu pe asilisi boumbu na biso. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on retourne dans notre verset Jean 15. Na kolonga tozonga na Jean chapitre 15. Je suis en train d'atterrir maintenant. Na bandi déjà ko kita. Alléluia. Amen. Je crois que vous êtes énormément béni. Na bandi ete moko na moko na banda ko esikoza. Il y a beaucoup de rema qui sort dans cette message ici. Ezayi na makambo ebele ya mozindo ezobima na matea oyo. Ce qui est très important c'est ici. Ya motuya yango yo. Oui, Jésus est notre racine, bien sûr. Et nous sommes les branches, bien sûr. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi je dis cela? Toute branche, étape qui est coupée de la racine, automatiquement va mourir, va sécher. Étape nyonso oyo longwe na nzete et qui musika ya mosisa na poisa na mbala moko ekokufa ekokau. So, ce qui est très important. Oyo ezali motuya. C'est ici. Yangoy. Vali. Tokotan. Jean 15, verset 7. Jean, chapitre 15, 7e verset. C'est ce qui est très important. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. 8. 8. En ceci, mon Père est glorifié. Que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comment on va porter beaucoup de fruits? En restant toujours branché, demeuré, connecté à lui. Verset 5. Et on vient jusqu'à 7. Verset 5. Verset 5. Moi, je suis le cep. Même 4, tu vas voir, il commençait à dire cela à partir de verset 4. Verset 4. Oui. Demeurez en moi et moi en vous. Oui. Comme le sarment ne peut pas porter du fruit de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même vous non plus, vous ne pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Là, ça parle de quoi? Connexion. Amen. Okangami. L'attachement. Amen. Connexion. Yes. Continue. Lingala mon nouveau. Botikala na bomoko elongo na ngai, pengai na bomoko elongo na bino. Voilà. Lokola étape ekoki ko bota mbuma yango moko te, kozanga kokanga mana nzete ya vino, bino pendenge moko. Bokoki ko bota mbuma te, soki botikeli na bomoko elongo na ngai te. Alléluia. Cinquième verset. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Ici, il parle toujours, il insiste toujours.
l'attachement, la connexion. Ça ne suffit pas d'être un branche. Mais dès que toi, un branche, tu es coupé, séparé de la cèpe, de la racine, c'est fini, finitos, finitos. Ce qui yo étape au milongoli et s'il y pona yo. Alléluia. Amen. Continue. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, c'est clair. 5. Ngai nazali nzete avino. Bino bozali bitape. Moto oya tikali na bomoko na ngai, bengai na bomoko elongo na ye. Moto wana abota kambuma mingi. Po soki botiki ngai, boko kiko sala eloko mokote. Boko kiko sala eloko mokote. Yes. Maintenant, écoute. Yoka. Comment on va demeurer attaché ou connecté à lui? Comment? Ndengeni toko sala yako kangama na ye. Ça se trouve en verset 5, 7. Ezana verset 7. Lis-moi. Verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait. Lingala, ce qui botikali na bomoko elongo nangai, pe ce qui maloba nangai e fandi na kati na bino, bosenga eloko nyonso bolingi, pe ekosale ma pona bino. Mama ya likambo yangwana, ce qui maloba nangai e fandi na kati na bino. C'est ainsi que beaucoup kangamanangai. La chose très importante. Selon verset 7. L'indice verset 7. Jésus a dit. Yes, olobi, si vous demeurez en moi. Et que mes paroles, en pluriel s'il vous plaît, mes paroles. Et maloba nangai. Demeure en vous. Demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. 8. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. So, qu'est-ce que nous parlons ici? Qu'est-ce que nous disons ici? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? La parole de Dieu est l'instrument principal de maintenir votre connexion ou attachement à lui. Voilà pourquoi tu dois développer l'attitude de communiquer et de méditer dans la parole de Dieu chaque jour. Yangwana esengeli na yo oza na bomo imoko esiko mesani totanga pe ko maniola maloba na nzambe mikolonyoso. Écoute, yokangai la force nguya dans une relation na entre relation les sexes opposés. Kati ya mwasi pe mobali, ça se trouve dans la communication. Ezane na kati li solo. D'ailleurs, toute relation est commencée par la communication. Relation yo se bandarne na li solo. Vous avez raconté un jour quelque part. Bonjour, bonjour. Mbote, mbote. Ça commence. Bonjour, bonjour. Bandara na mbote. Et bonjour, bonjour tout le temps. Mbote. Et oh, je peux avoir ton numéro, ok. Na kozo numéro et, téléphone. Allô, allô, comment tu vas? Boni, oza malamu. Oh, je t'ai pas écouté, c'est juste. Oh, comment? Ça commence comme ça. Et bandara kaka na li solo. Et je te dis quelque chose. Na ko imso likambo moko. Une relation sans la communication. Relation où ezanga li solo. Un jour, deux jours, une semaine. Un mois, deux mois, trois mois. Six mois, une année. Je te dis, cette relation va mourir. Ndenge mikolo ezoleka, ngonga ezoleka, ti ekokufa. À cause de quoi? Pona nini? Manque de communication. Li solo eza li susute. Manque de communion. Baza suna li solo mozi. Pareil! Le lenge moko! Avec notre Dieu, Seigneur Jésus. Nazambe na biso nkolo Yesu. Dieu! Et sa parole sont un. Jean chapitre 1 verset 1 dit que au commencement était la parole de Dieu. Cette parole était avec Dieu et cette parole est Dieu. Et cette parole a manifesté en chair verset 14. Qui est Jésus? Bien-aimé, si tu ne maintiens plus la communion consistant, tu ne vas pas porter les fruits que nous parlons ici.
Alléluia. Amen. Parce que c'est dans la communion avec lui que on va maintenir notre attachement, notre connexion consistamment avec lui. Si tu es dans la communion avec lui tout le temps, votre connexion sera en permanence. Ce qui est sur la canaille, on gagne son amour zindo. Yebete bokanga mina bino eko umela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La force d'une relation, ça se trouve dans la communication, la communion. Makasiya relation nyoso ezalande na lisolo. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus a dit. L'homme ne vivra pas seulement par le riz, par le foufou et matembele chikwang. L'homme vivre par la parole de Dieu. Les foufou et les chikwang c'est pour l'homme physique, mais la parole c'est pour l'homme esprit. Foufou kwang ezali pona nzoto kasi liloba ezapona molimo. Et Dieu est esprit. Et tout ce qui est né de Dieu sont esprits. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est l'instrument principal pour maintenir notre communion, notre attachement, notre connexion à notre racine. Aussi longtemps, parce qu'il a dit ça, c'est pas moi, il a dit ça. C'est bien dit que. Été. Si vous ne demeurez, si vous demeurez en moi, verset 7, Jean 15, 7, et que mes paroles demeurent en vous, verset 7, Jean 15, 7, demandez ce que vous voudrez et vous le sera accordé. So, la parole de Dieu est obligatoire. Il faut communier dans la parole chaque jour. Parce qu'il est dans sa parole. Il est sa parole. Lui et sa parole sont un. Jean 1:1 nous avait dit ça. Dieu au commencement, Dieu, la parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Verset 14 dit cette parole est devenue chair. Et dans verset 14, le dit Peli lobawana a commis moto. Qui est Jésus? Na kombo ya Yesu. La parole qui a devenu chair, c'est qui? Jésus. Lobawa a commis moto de Yesu. So comment maintenir votre connexion? Le lengeni ni otika ya kokanga malibela. À travers de la parole. Ezana nzela liloba. Je vais te dire aujourd'hui. Le lona koloba na yo. Si tu n'as pas de vie de communion dans la parole, tu es morte en tant que chrétien. Est-ce que tu donnes Dieu le temps de communion par rapport à ce que tu fais avec Facebook et WhatsApp et WhatsApp? Et est-ce que yo pesa kanzambe ngali solo totala par rapport ya yo pesa kana ba réseaux sociaux na TV? C'est à toi de répondre à ces questions. Et si kayo zali na biroto na ndako mi pesa ya no yo moko. Alléluia. Amen. Mais sache-toi, kasi yo yeba, nous avons un héritage biso tozali na libula avec notre racine na mosisa na biso qui est Jésus. De Yesu. Parce que to été tel il est. Denge azali. Tel je suis. Bon, na pena azali na mokilio. A part des paroles. Libanda ya liloba. Une autre chose qui bâtir, qui maintient notre connexion, attachement à lui, c'est la prière. Et loko mususu e batela kabo kanga mina biso ezalo sambo. Et un autre c'est louange et adoration. Et mususu ezali kokumisa ko sanjola kongumba melaye. Alléluia. Amen. Je croyais que je vais continuer prochainement. Na bandi ete mbala okoya na ko koba. Si tu regardes même Jésus. Selon Marc 1, 35, il va prier très tôt le matin. Il va prier. Pour maintenir la connexion, l'attachement. Et aussi pour la loi, la Bible dit. Dieu habite
dans les louanges de son peuple. Tout cela, ça nous aide à maintenir la connexion. Que Dieu vous bénisse. Mon temps est déjà passé. Je crois que vous êtes bénis. Bien-aimés, vous êtes les branches. Bitapi. Lui, yeah. Il est notre racine. Et en tant que branche, vous devez porter les fruits. Bambuma. Et manifester les fruits Bambuma. Que la racine porte. Et notre racine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour tous ceux qui me souhaitent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre racine, je déclare. Na tatoli tout fruit en toi mbumanyo sokati na yo dans ta vie na bomo ina yo qui ne reflète pas ta racine o ezo talisa mosisa na yo et détruit et déraciné et bébé sami pe picolami au nom de Jésus na kombo na Yesu la maladie ne reflète pas notre racine boko no ezo talisa mosisa na biso te faiblesse ne reflète pas notre racine bolembo ezo talisa mosisa na biso te l'échec ne reflète pas notre racine ko ezo ezo talisa racine na biso te j'ai dit tout ce qui ne reflète pas yo so ezo talisa te notre racine Jésus Christ mosisa na biso Yesu Christ en toi kati na yo j'ai la déraciné au nom de Jésus na ina picoli ona kombo na Yesu et je décrète ta délivrance totale. Reçois ta délivrance totale. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Notre racine est sainte. Notre racine est en bonne santé. Voilà pourquoi je déclare tu es guéri de toute maladie. Toute maladie qui n'est pas de Dieu. Toute maladie qui est du monde de ténèbres sataniques de diable est maudit au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu m'a dit quel il est ma racine, tel je suis, tout ce qui n'est pas de lui. Je déclare aujourd'hui est maudit et déraciné au nom de Jésus. Vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Vous êtes délivré. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus Christ. Nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine culte. Soyez connectés. Branchés. Et n'oublie pas, envoyez-nous votre témoignage. Par vidéo WhatsApp, c'est mieux. Vidéo. Votre nom. Vous venez de quel pays? Vous nous envoyez ça? Parce que la parole de Dieu dit. On devait mettre à cœur de rendre gloire à son nom afin que notre bénédiction ne soit pas maudite. Selon Malachi 2, verset 1 et 2. Voilà pourquoi tu dois envoyer votre témoignage afin que toute la gloire revienne à lui seul. Que mon Dieu vous bénisse. Chaque mercredi à 10h, chaque vendredi à 17h et chaque dimanche à 7h. À la prochaine. Je vous aime. J'aimerais que tu élèves exemple ya pratique. Nan en dimisi ko ke après cette prière et lo ko wana ezo tomula. Ezali sou privilège pambate. Ezali sou biscuit e ou bima pa ou kwa ke sa e komi makila nan zoto ya Yesu. Nan en dimi ango. Qui croit changement. Alléluia. Amen. Mais j'ai béni Dieu dans ce lieu quand même tozana ba témoignage. Amen. Tozito moni ba ba sense ozo mona ba délivrance de salma sous place.
Mais bah, tu vas au sens à des choses. Les gens vomissent des histoires. Ça devait être comme ça. Et c'est quelqu'un qui désalaboye. Entre sa porte à l'obéi. Bazo partager en commun encore. Baba neko kabola na bobi okani. Bazo partager la communion. Il partageait la communion dans leur maison. Na banda ko na bango. Et des signes de prodiges Jésus salima. Baby lembo ezo salama. Omoni, tu vois. Esa question ya konima. C'est juste question de la foi. Esa question ya rien que la foi. Qui croit miracle maintenant même? Quelque chose se passe. Je sens dans mon esprit. Je sens ça dans mon esprit. Oh yes. Igalo shopro diamana. Amen. Tombola sensewana. Élève cette sensewana. Deyo tomboli sensewana. Tel que tu l'as levé. N'a déclaré. Je déclare. La présence naïe parmi nous. La puissance de sa présence parmi nous. Et enveloppé. Enveloppe. Communion naïe. Ta communion. N'a déclaré. Je déclare. Communion wana esa béni. Cette communion est bénie. Esa sanctifiée. Elle est sanctifiée. Atozo landangai na écran bisko zali na mokili. De partout tu peux me suivre. Osa a besoin de na loba. Tu n'as pas besoin que je. Au connecter esprit na yona. Oh yo tozo sala. C'est ça maturité anzwana. Yes. Oba dimuzu ba dirajenga na ba pe lobela biso loba. Soki na lobi te lobi. Donc connecter esprit na yo. Connecte ton esprit. Ba tu balandi mate ya ya une année passée mais apik sami sur place. Yes. Oba tay komo na ete na mate ya wana. Esa kondima yango wana tozo loba. Bien-aimé, Olingami, ba pesi ba tu amolili bandoki ba pesi mwana lipa kaka na butu wana makambo esalami. C'est même lui là que l'enfant veut manger le pain, il y a eu des choses. Oyo yo zo lia siko zo mela. C'est que tu vas manger, c'est son sang et son. Eza makila na ye. Son sang. Eza nzoto na ye. Et aussi son corps. Il doit se passer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que dans son corps, lui-même Jésus, malade et la maladie n'est pire. Oppression est convenante. L'oppression n'est pire. Blocage est convenante. Le blocage n'est pire. Stagnation est convenante. La stagnation n'est pire restée. Ma coquille était. Ils n'ont pas pu sur lui. Ce que nous disons que dans la communion, ils ont commis ça au bon moment qu'on a eu. Si tu crois à l'unification par cette communion, tant que tu lis à ça, ma désolée, à qui nous avons déplacé, et là qu'on est toujours sur la carte à Makila. Protéine. Ce que tant que tu lis à communion, il y a autre, il y a Jésus, na Makila na yé. Et nous connaissons les autres côtés de la carte. Bon, il y a Yesu. Bon, il y a Yé. Divinité. Sa vie, sa divinité. Nani a dit, mais le quoi? Qui croit à cela? Vous avez dit, Nani a dit, mais. Et ça, ma kamoya kondima. C'est juste question de la foi. Et basé sur ce kondima, on réagit contre les locaux yosso, et ils ont menacé kondima na yo. Que koko salabo été. Que tu ne peux pas faire telle chose. N'a déclaré communion. Je déclare que c'est à toujours l'andanga na écran. Même si tu me suis là, tel que j'ai dit. Et pambolami. Et béni. Na lobi et pambolami. Et béni. Na lobi et pambolami. Et béni. Na lobi et pambolami. Na converti communion oyo na nzoto ya Yesu na makila na Yesu. Amen. Et à l'instant. Kaka sikoyo ezala ozola nangai na mukili. Même si tu me suis ezala ozawa ou ici na décrété réaction et loko esalama palpable physique oyo komono esalema na nzoto na yo se perd dans ton corps esalema na vie na yo se perd dans ta vie biska bakangio bakwa ko lukayo ozali susukuna te amen. Bisika bavandeli eloko yosu ezaya yo bakoyako luka
Libanga munene baje ezali susute. Amen. Parce que quand Yesu a sekwi, malgré que bâti une grosse pierre, malgré la présence de la pierre, Libanga munene, quoi que quoi copie matin à tombo, baye ba moni ekuna lisusute. Yes. Bisika batala kayo ba mona kayo. Cette fois-ci, bakoya bakomona yo lisusute. Là où il y a la foi na lobi, il n'y a pas de l'obstacle. Côté les mélésades, est-ce qu'on dit mesali? Là où il y a la foi, est-ce qu'on dit mesa? Tout obstacle se converte en miracle. Et les mélodies se sont donc on a bicamo. Nanzela communion. Par cette communion. Par la foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'on dit mana Yesu Masi? Yo soza obstacle na vie na yo. Tout ce qui est obstacle na transformé en quoi na miracle? N'a transformé en quoi na miracle? N'a transformé en quoi na miracle? Au nom de Jésus. Et l'eau peut qu'on stoppe jamais. Ce qui ne peut pas stopper. N'enzèle à communion. Par cette communion. Et qu'on stoppe yo pété. Et ne stoppera plus. Et l'eau qui qu'on bomayote et qu'on bomayote. Amen. N'a combo na Yesu Masia. Maladi oyo eko kiko vanda tena nzoto na ye, eko vanda tena nzoto na yo. Atabache yo poison, poison wana eko limwa sans effet. Alobi tout enforgé contre nous sera sans effet. Amen. Ba melisa yo poison, ba lesa yo poison, na deklare na zela komunio yo, na komisi yango sans effet. Amen. Eko zala na mon côté na vie na yo pa que la yo mabe ko hute na libumbu ya mama na yo na côté la que la mabe wana sans effet. Amen. Te sangai amen ya malonga. Amen. Eloko yoso toute chose oyo bako ki ko sala qui peut faire quoi affecter vie na yo quelque part na zela communion yo na rendre encore sans effet. Amen. Jésus! Quand il y a quoi affecter Jésus? Yes. Alliance et famille quoi affecter Jésus? Amen. Eh, Baba la Katewana et Zaïs. Eh, Baba la Katewana et Zaïs. Eh, je vais comme il boit, Nambula Moro boit, il faut pas. Non, Zaïs soute. Yesu akoya kate. Yesu akenda la kaliboso. Amen. N'a déclaré à partir à communion et à bout de na komisi bino estopable. Amen. Oso kende liboso. Amen. Oso avance. Amen. Oso avance. Mbula oyo mutume kote awa kotika la statique. Yes. Na yoki amen na yo biete. Amen. Na komi vete oyo mutume kote kotika la statique. Amen. Oso kende liboso. Amen. Oza la financièrement oso kende liboso. Amen. Spirituellement, aux aucun des bosso. Matériellement, aux aucun des bosso. La combat, yes. Amen. Cette communion est bénie. Communion est pas mon ami. Et dans la communion, on a pu aller. Dans cette communion, c'est ça. On a décrété un miracle instantané. Amen. Fongolango, il y a côté les mains. Il y a côté les mains, s'il te plaît. Oui, mais il y a Tindi Mango, pour tester Banani, Bakotika la bas, qui est la guerre. So il y a des choses il faut en tant que soldat. Y a mon livre. Oh yes. Quand tu prends cette communion, on a décrété mouvement y a mon livre mon saint. Et ben on traverser dans zoto nae. Et traverser esprit, âme et corps. Traverse ton esprit, corps et âme. Je donne un miracle créatif. Au nom puissant de Jésus. Le temps de témoignage. Pétela Yesu Maboko Makasi. Na ningi na sala témoignage na likambo monene onzamba sali na bomo inanga kombo nanga Lilian babenga nga mama Lili na zo na zana Colorado na Denver en États-Unis
Il y a une semaine, Nazara qui testait positif na COVID-19 à partir ya msala. Donc esengai kena fanda. Nzote zala ki malamu te. I was willing to talk today, to talk to Papa Dayo. Nazwa ki ye après ba difficulté ebika ka monguna soki ozoluka lobiko. Monguna complica ka mwanzela. Kino papa yake kobenga nga atindelinga voice alobisa na koki kobenga. Alors na benga ki to solo li na ibisi problem na nga ke nazala ki testé positif na COVID-19. Nazala ki na chambre pona 14 jours. Alors abondela ki pona nga. Après 2 jours, médecin na nga bengi wazaki ko soñenga par téléphone alobi que aux assos na symptômes au côté fièvre ezala ki les sousouté ko sukose za ki souté pe ma ona za ki nango za ki sousouté alobi nga non yo ki bien obiki yesu nda biksinga yango na za ko pesa merci mingi merci merci na papa dayo na équipe nyoso ya lusambo ya film na pesi merci penza nzambe oya lola akanisela ye akanisela ministère na ye na pesi merci pour médecin nga sali kutu lettre alobi na koki ko banda musala le 15 oyo yango na ye kozala reconnaissant la boy kozala neti ba dit les preuves o nza yesu abikisaki 9 bakeka moko azonga ki na nina za lata moko na zongi kosenga merci yango na sali audio yo bana na nzambe bokangama na nzambe bokangama na nzambe pasteur dayo aza ya solo na biki na malade bato bazali kokufa. Merci mingi nzamba pambola bino. Petela Yesu maboko makasi. Tikana prophétiser na bina. Na sapela na boya. Bista baninga bazo kufa ko kufa te. Eloko pomita tena yo ko poma yote. Eloko pomi mama ko poma yote. Ya ye. Que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle et tu commences à spiritualiser ta vie, tu vas commencer à dominer sur cette terre. Même tu l'avais dit, tu l'as dominé. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo, n'a commis sur intouchable, n'a commis sur bino invisible. Na yoko kotsa yo na linie ya batu ba isapa makambo ya tenye wana.